aventuriers, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on y va pour la street food congolaise, précisément dans la ville de Lyon. Donc en gros aujourd'hui on va essayer de vous faire découvrir avec combien on peut manger au minimum avec la nourriture de la route. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et on y va, la vidéo peut commencer. Donc, ça fait l'affaire, c'est intéressant.
Sincèrement, je pense si on doit. Comment je peux dire ça? C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Je trouve que c'est bien comparé. Il n'y a pas trop de. Comment je peux dire? On n'a pas mis un peu trop d'eau, tu vois. Donc ça va quand même. Ça va. Même si moi déjà. Mais ça va. Donc toi tu ne vois pas trop en faisant des restaurants quoi. Aussi, enfin, moi déjà je vais pas souvent en tout, enfin, presque jamais dans ce genre de resto. Mais je trouve que ce qu'elle fait c'est pas mal du tout parce que j'avais mangé une fois chez une autre dame comme ça, je n'ai pas du tout aimé. Et aussi, si je dois préciser un truc, c'est que ce que personnellement j'apprécie pas, c'est qu'on fait les haricots avec de l'huile de palme. Je n'ai pas l'habitude de consommer les haricots préparés avec l'huile de palme. C'est pas mon truc. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal. Mais je trouve que c'est bon, ça va. Voilà. Voilà. Pour les gens qui se trouvent dans la ville de Kinshasa, vraiment qu'ici c'est vraiment la base du riz et les haricots. Donc pour les gens qui aiment trop ces plats-là et qui un jour se retrouveraient dans cette ville, franchement si vous cherchez un endroit, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Ici il y en a vraiment, il y en a partout. C'est vraiment la base, je dois dire. Voilà, c'est un peu ça. C'est la nuit. Là-bas, c'est là-bas que ça se voit bien. Tu vois, ici. Voilà. Mais appelle pas le coup pour les lumières, mec.
Sinon tu vas partir. Attention. Je vais quand même filmer un truc. Vas-y. Arrête, s'il te plaît.